Bonjour les membres de Fans de Culture, de France TV et vous. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangé avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Tu l'as toujours, ta tireuse? L'idée des petites victoires est née d'un article de journal d'un maire d'un petit village dont l'école allait fermer par faute d'effectifs parce qu'il manquait que 5 élèves. Et le jour de la rentrée, ces 5 élèves manquants étaient présents et c'était des moutons. Et je me suis dit, et si au lieu que ça soit des moutons, et si c'était des personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire pour combler les effectifs? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je viens apprendre. Pourquoi tu sais pas lire? C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. Eh bien, Émile est un sexagénaire. Il vivait avec un frère, le frère meurt, et d'un seul coup, il devient particulièrement bougon, irascible, etc. Et on s'aperçoit très vite qu'il ne sait pas lire. Il est illettré. La mère va le secouer un peu en lui disant « Vous ne pouvez pas continuer comme ça ». Il décide, parce qu'elle l'a secoué, « Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais retourner, je vais apprendre ». Sauf qu'il va apprendre dans la classe, la seule classe du village, qui est avec des gosses de 6 à 9 ans. Bon, moi, ça m'a amusé de faire ça. T'as senti ça? Oui. Il est toujours Émile. Toujours. Il reviendra. On ne reviendra peut-être jamais Michel Blanc. Hein, qui sait. T'as Émile Menoux à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice. C'est un personnage qui était assez passionnant parce qu'elle a une méga charge mentale. Donc ça, c'était marrant à jouer, et puis marrant, et même plus que ça, c'était profondément intéressant parce que c'est un petit peu aussi une sorte de belle métaphore de la féminité, de la maternité, je trouve. Cette nana qui est un petit peu en surcharge permanente et qui s'occupe beaucoup des autres, pas beaucoup d'elle-même. Heureusement que cette amitié avec Émile, qui n'était pas gagnée, va l'aider à prendre conscience que, en fait, sous cette grande dévotion se cache aussi peut-être un personnage qui, en fait, n'a pas très envie de s'occuper de ses propres problématiques. Et PH, FF. Non, tu déconnes. Non. Il y avait des petits blagueurs. Après, les enfants, ils ont été super parce que très vite, ils se sont disciplinés. Et puis, j'avais ce truc de quand je tape deux fois dans les mains, qu'est-ce qui se passe? On se tait et on m'écoute. C'est assez joyeux, en fait, quand les gosses commencent un petit peu, passez-moi l'expression, à déconner. Mon personnage, au bout d'un moment, il se met à faire comme eux. C'est-à-dire qu'il redevient un gosse un petit peu insupportable. Il régresse, quoi, on peut voilà, dire, il régresse, mais il régresse dans le bonheur aussi. Hein, il est content. Bah oui. C'est vrai que c'est facile quand on a autour de soi des lascars, des lascaresses, qui sont vraiment de plein pied avec ça. Et donc, en fait, il me donnait des leçons d'enfance. Je crois qu'on a eu un bon accueil. On a gagné deux prix, le prix mention spéciale du jury et du public. Donc, ouais, merci. Donc, c'était top. J'ai envie de dire culture, ça rime avec culture de proximité. La culture, c'est ça rend heureux. Pour moi, la culture, ça rime avec vivre des choses et des émotions ensemble, et c'est ça le plus important. Tant qu'on continuera à faire des choses ensemble, je pense qu'il y aura de la vie. Alors quoi de mieux que la culture ?